Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo chez Frag69 comme d'habitude. Tu coco, tu connais. Regardez-moi ça, ça fait des petits bruits, regardez, c'est quand même bien non? On a reçu la caméra, ne faites pas de zoom sur mes dents parce qu'elles sont un petit peu sales. Mais on a reçu la caméra les gars, à votre avis, c'est quoi? Je vous laisse mettre dans les commentaires, pour ceux qui n'ont pas... Voilà tu vois. Et mon cutter il est où? Alors après avoir enfin trouvé le cutter là, qu'est-ce que vous avez dans ce paquet? Donc ce qui est logique, c'est que t'as la caméra. C'est fortement logique, je vais essayer de vous montrer sans la faire tomber. Attends, je vais le voir comme ça. J'ai pas encore vu, hein. J'ai juste ouvert une fois, vite fait, tu vois. Donc là, t'as un CD. C'est pas compliqué, hein. CD d'installation, tout ça, tu connais, je suis désolé des reflets. Voilà. Et là, oh, oh attends, tu rigoles ou quoi? Oh, pour le prix de la caméra, je vais pas la faire tomber, il est fou lui. Alors là, on a... D'accord. Une prise, ça doit être pour charger la batterie, je pense. Je sais pas où je vais y mettre. On va y mettre là. Ça, c'est l'objectif. Parce que j'ai pris un objectif 18-55 avec. Donc, je vais vous le montrer. Voilà, hein, bien sûr. On aime ça, hein, on adore. Hein. Bien sûr, on adore les petits unboxings des familles. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Bon, je vais y mettre là. Je vais y poser après et tout. Faut juste pas y faire tomber. Alors là, si j'y fais tomber, mec, je suis mort. Hein. Regarde-moi ça. Bah, après, je m'y connais pas trop en appareil photo, réflexe, tout ça. Mais bon. Je sais que c'est de la bonne cam à skip Nikon. Alors, je remercie en tout cas une personne qui m'a conseillé. Je remercie Frosties. Donc, dedans, on a encore tout ça. Hein, voilà. Je vous montre vite fait l'appareil photo. Bon, que je ne fasse pas tomber. Le plus important, les gars, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ouh, vous le voyez ou pas? Ah, il est beau, il est beau. Oh putain. Oh damn. Oh, il est magnifique, mon gars. Regarde-moi ça. Regardez-moi ça comme il est beau. Nikon 5300D. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Et je l'ai... vous savez pourquoi j'ai pris celui-là et pas un autre? Il y en avait des beaucoup plus chers, mais je l'ai pris parce qu'il a le petit. Ah, oh, c'est stylé. Voilà. Regarde, c'est tout bête. Hein. C'est tout bête. Hein. Mais cet écran-là, je peux le retourner en fait. C'est ça qui est pratique. Donc là, ce sera pour le Rode, parce que j'ai acheté un Rode avec. Regarde. Magie! Et ouais, frérot! Regarde-moi ça du coup pour faire les petites vidéos en mode de... Ouais, alors aujourd'hui, c'est pour une nouvelle vidéo tuning. Donc là, vous voyez, c'est le mec qui s'y croit trop. Donc j'ai fermé ça avant d'y casser. Hein, voilà. Donc là, ça va être pour le petit objectif. Là, ça va être pour le Rode. On se retrouve tout de suite après les. Et le plus grand que moi? Et le plus gros? Moi, je suis tout petit, ouais. Il faut pas faire ça là. Vous avez pas le droit. Qu'est-ce qu'il y a dans ce colis, les gars? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors là-dedans, on a. Voilà, hein, Dead Cat, c'est pour le vent, tout ça en fait, pour les micro-rods. Petit accessoire bien utile. Je vous montrerai une fois que ce sera tout mis aussi. Alors ça, c'est une petite sacoche, voilà. Case logique pour le ranger. Pour ranger l'appareil photo et tous les accessoires qui vont avec, tout ça. Donc, le petit Rode Video Mic. C'est la crise de Video Mic. Sans quoi? Regarde-moi ça, c'est magnifique. À ce qui paraît, il est pas mal, donc voilà, j'espère qu'il fait le taf. Donc apparemment il est pas mal, je le testerai les gars, je vous dirai. Je ferai une petite vidéo test pour vous montrer ce que ça donne. S'il y a des personnes qui veulent, je pourrais mettre le lien dans la description de tout ce que j'ai acheté avec. Voilà, donc ça c'est une carte SD, hein, si t'es pas bête, tu sais lire. C'est une carte SD de 64 Go. Je me suis dit si jamais je pars loin de chez moi, j'ai pas mon PC, voilà, j'ai de quoi faire. Et là avec, on se retrouve avec un Gorillapod, frérot, c'est la base. Un Gorillapod, bien sûr. Donc je vais vous montrer tout ça, les gars, il n'y a pas de souci. C'est lourd. Très très lourd. C'est énorme, mon pote. Regarde-moi ça. On dirait pas, hein, mais pouah, ça en fait du poids. Bah, je vous montrerai, je vous ferai un petit test. Voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Donc, écoutez, il faut que je m'habitue à cette petite caméra. Enfin, petite, plutôt énorme. J'ai l'habitude de mon téléphone qui est hyper léger. Mais là, c'est... Waouh. C'est pas du tout pareil. Si vous voyez que je tremble, je vais essayer de... Je ferai un petit test, tout ça, on verra ce que ça donne. Mais c'est lourd. C'est lourd dans les deux sens. Lourd, genre le poids, et lourd, c'est super bien. Les gars, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars. Une prochaine, j'espère que ça vous plaira. Peut-être de ma fenêtre, déjà, je peux vous filmer pas mal de petits trucs. Donc voilà, vous inquiétez pas, il y a du lourd qui va arriver. Sur ce, ciao les gars, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 3000. Here comes the 3K. Oh my god. Pour Frag69. Ouais, là, après, c'est plus trop anglais, mais c'est pas grave. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit unboxing. Et puis, écoutez, on se retrouve à la prochaine. Hein, ma coupure, elle va mieux, regardez. Ça va beaucoup mieux. Ça, c'est... Voilà. Donc, on se retrouve pour la prochaine.
avec cette petite caméra. J'espère qu'on va faire du lourd. Puis bah voilà les gars, sur ce, à la prochaine.